Salut la VOD, salut PierreTube, salut YouTube. On continue tout de suite la suite de Graveyard Keeper. Donc dans l'épisode précédent, on avait un peu débloqué le sous-sol. On avait débloqué aussi Clotho. On sait comment faire du... Comment débloquer le marchand. Voilà. Ou au moins on peut lui redemander si on a oublié comme moi à la prochaine fois. J'ai beau avoir fait une pause de même pas 2 minutes, je sais plus ce qu'il faut faire exactement en proportion, en quantité exacte. Voilà, donc je pense que c'est bon. J'ai calculé, c'est sûr. Un poil plus grave pour mon cerveau, c'est que je sais plus ce que j'ai fait il y a du coup ces 25 secondes de pause, bon, un peu plus. Vous en faites pas. Si c'était le sous-sol, voilà. De toute façon, c'est ce que je voulais faire. En dire au pire, je m'en fiche, je continue au sous-sol. Mais c'était exactement ça. D'ailleurs, ici, oui, il faut un corps un peu plus vivant, c'est ça qu'on avait dit. Alors. Mélangeur à main. Non, il rentre pas en hauteur. Enfin, pas ici. Mélangeur à main. Ça m'avait l'air d'être aussi très utile pour de l'alcool. Du coup, je vais le mettre. Attendez, on voit mal en bas. Tac, tac. Ok. Je pense que je vais le mettre ici. Parce que si ça produit de l'alcool, ça peut être utile pour y accéder depuis ma cave. Voilà. Voilà. Alors. Hein ? Choisissez une ressource à utiliser. Rien. Très bien. Je peux mélanger des trucs, mais je ne peux rien mélanger. Alors soit ça, soit... C'est dommage qu'il y ait... Enfin, j'aime pas quand il n'y a pas les recettes. Du coup, je suppose que ça sera jamais dans les recettes de cuisine et autres. Il faudra que je trouve quoi mélanger. Ah, peut-être que je peux mélanger un seau de sang avec des clous. Je le mélange à la main, donc... ça va rajouter un peu de sang et ça me donnera les clous ensanglantés que veut Serpent. Si ça se trouve, c'est ça. Bon, je sais toujours pas comment faire des poudres de machin. Faut que j'améliore le verre, je pense. Parce que l'alchimie m'avait l'air très portée sur le verre. Voilà, souffleur de verre, souffleur de verre 2 pour voir les fioles coniques avancées, ou les fioles coniques puis les avancées. Qui me permettent d'avoir la table d'études. Non, la table d'études, je l'ai déjà. Mais l'établi d'alchimie, sachant que Clotho m'a parlé d'être alchimiste. Donc voilà. Le jour de là. Je devais lui faire quoi déjà au... Il voulait quoi, l'inquisiteur? Il voulait que je fasse... Alors, j'ai fait mon stand. Mais j'ai fait que mon stand. Du coup, est-ce que ça lui suffit ou pas? On va voir ça tout de suite. On va d'abord se faire quelques dos. En fait, c'est ça, c'est si je fais d'abord des doses puis des planches, je conserve de l'énergie par rapport, enfin je fais autant de planches que, enfin je fais le maximum de planches, mais je consomme plus d'énergie vu que je dois faire deux choses, deux fois l'étape. Mais au final, vu qu'il faut reproduire
rondins de bois. Je sais pas trop ce qui est le plus avantageux. Tant que j'ai pas masse de zombies qui travaillent pour moi, dans tous les cas, je pense que c'est pas masse avantageux dans... ni dans un cas ni dans l'autre. On va refaire ça. Parce que je sais que j'avais besoin de clous, il me semble que c'était des planches que j'avais besoin. Pour le la fabrique de ma. Oula. Faut quand même aller voir l'inquisiteur avant qu'il se barre. Je joue avec le feu pour changer. Voir si juste ça suffit ou faut vraiment que le stand soit rempli. Je pense que je vais pas pouvoir arnaquer le jeu et qu'il faut que le stand y ait. Oh. Oh non. Oh non, je le vois se barrer. Dans tous les cas, je pourrais même pas essayer d'arnaquer. Si ça se trouve, ça marchait, mais... On ne saura vraisemblablement pas dans cette vidéo. Je finis mes planches et je vais voir les zombies. Je crois que dans tous les cas, je dormirai là-bas d'ailleurs. Ici, là, il y a du mail qui ressort. Bon, vu l'énergie que j'ai, je vais peut-être pas gaspiller en essayant de faire. De récolter. Quoique. De toute façon, j'avais une cranberry qui me prenait un peu trop de place. Voilà le nombre de cranberries que je voulais manger pour prendre un miel. Là, il y a une belle montagne de fer. Alors, ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va leur dire produis-moi ça. Voilà. On va en prendre un. Et il va se mettre à la production à la transformation. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. C'était deux dosques dont j'avais besoin, mais heureusement, j'en avais assez. Non, je peux pas donner un coup. Oh. Voilà. Alors. C'est dommage qu'on voit pas la barre de vie quand on dort. Pas de combien on a encore besoin de se régénérer plutôt. Voilà, je me suis rafraîchi. Ah ouais, il en a fait déjà une bonne proportion. Est-ce que je peux lui en rajouter? Oui, je peux lui en rajouter deux. C'est ce que l'autre a produit pendant que je dormais, c'est déjà bien. Terre. Ouais. Là, du coup. Vous allez voir que j'ai utilisé énormément de ressources et qu'au final, ça va juste me donner je ne sais pas combien de lingots. Non, c'était une vraie fabrique. Ok, une vraie carrière. Et donc là, c'est le même prix que pour avoir de la pierre. Il faut des lingots de... Oh, succès, marbre. Il faut des piquets de bois pour... Alors, contrôler les carrières de marbre, le marbre, c'est mieux que la pierre.
Voilà le succès. D'ailleurs, pendant que j'y suis, ah, tu peux aussi casser ça. Hein. Tu peux aussi casser ça. Après, je lui ferai faire des allers-retours, je pense. Ce qui me fait penser que si je veux lui faire faire des allers-retours, la transformation se fera ici. Ça veut dire qu'il faut que je vienne une fois de temps en temps lui redonner bah, toute la liste à casser, mais en soi, ou à fabriquer. En soi, pourquoi pas. Donc, si je récapitule, j'ai envie d'avoir 10 de bleu pour pouvoir faire peut-être l'alchimie qui me fera améliorer l'état de santé du marchand. Non, non. C'est surtout pas ça que je voulais faire en plus. Ok, en fait c'est juste que le miel il pouvait pas se récolter. Justement je voulais prendre du bois d'ici mais sans m'épuiser quoi. Les chauves-souris. Aïe. Oui. Pas du sel, ça c'est du sable. Le psychone en bas à gauche. Du miel, pas d'abeilles malheureusement. Elles m'ont quand même mis midlife à force de les ignorer. C'est pas la meilleure idée. Donc le sel, je sais ni où l'acheter ni comment le produire. Ou alors j'ai totalement oublié. Ce qui est aussi possible. Sable de rivière. Est-ce qu'il y a une différence avec le sable de mer ? Ça se trouve. Voilà. Oh, la prédication. Ouais. La messe, tout ça. Je joue sous-sol pour faire du chanvre. Pour faire des cordes, pour avoir du bleu. Pour ça, faut que je prenne mon chanvre. Je peux poser l'histoire, enfin. Je vais remonter, poser le miel et les autres ressources. Il me manque une abeille. Une seule. D'ailleurs, ça, tu reprends. C'est pas ici. Non. J'ai inversé le côté mon inventaire et le côté coffre dans ma tête. Non. J'ai déjà le chanvre sur moi. Je pourrais produire quelques bougies, mais c'est pas forcément très utile tout de suite. Peut-être que fabriquer le seau de sang. Je vais faire des cordes pour le moment.
3 d'os. 3 d'os et combien? Oh. Sérieusement? Oh. Pourquoi c'est pas comme les autres? Bon, bah tant pis. 3 d'os et 10 de sang, je crois. Je vais prendre tout le sang, mais au cas où. J'ai aucune dos, ça tombe bien. Le sable. Ça. 3 dos et 10 de sang. Les deux sont pas compliqués là. Et le sang, j'en ai 26. Voilà, on dort. On va peut-être mélanger quand même. Ça peut être pas mal. Il faut vite faire le sermon. Oui, j'ai... Non, j'ai pas les dos. J'ai pas les dos, j'ai voulu aller trop vite. Je suis à peu près sûr que le zombie là-haut, il a fini de travailler le fer et la pierre. Mais bon. Je ne peux pas y aller tout de suite. Sinon, je fais pas le sermon. C'est un peu dommage. Seul pour le moment, ce sera bien. J'ai pas de clou sur moi, mais... Ok, non. Le mélangeur à main, il veut pas mélanger le sang. Je suis à 11. Il veut 20, le... Ouais, il veut 20. Même en rajoutant deux bougies, ça ne marche pas. De toute façon, ça, j'avais... Je suis déjà censé y avoir réfléchi les fois d'avant. Ce que j'avais fait, mais j'ai oublié que je l'avais fait. Jus de zombie. Établi alchimique pour jus de zombie. Point jus de, point zombie. Établi d'alchimie. Donc c'est l'établi d'alchimie qui nous fait le jus de zombie. Qui nous permet de produire des zombies. Je crois. Établi de zombie. Juste le sermon d'abord. Établi de zombie. D'alchimie. Faut regarder quels objets on a besoin. Oh, j'en ai que deux de base. Quatre. C'est pas beaucoup, quatre déjà. J'allais m'insurger en voyant que deux. 3 du coup. Mais... 57, succès. Alors. Établi d'alchimie, c'est celui-là. Ok. Donc il faut bien que j'augmente mon bleu pour avoir les. D'ailleurs, ça augmente le bleu ou quoi? Non. Attendez, je suis à 9 de bleu. Oui, j'étais à 4. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru que ça avait descendu. Ouais, les sauts de sang, je peux les laisser là. Ça aussi. Les cordes. Peut-être que je ramènerai de la cire pour faire des bougies. Même si c'est pas indispensable tout de suite. Non, c'est là. Ça va me faire du bleu. Oh. Voilà. Alors.
que j'ai le fourneau 2? Non, j'ai pas le fourneau 2, du coup. En soi... Fabriquer à fourneau 2, fourneau 3, donc en soi, il faut aussi que je débloque ça. Parce que si j'essaie de rush là, puis là, j'aurai pas de... Enfin, ça va rien m'apporter, quoi. Donc... Oh, j'ai quand même... Non. Okay. J'ai... Le jeu qui se met pas à jour, j'ai vu en haut que j'avais 14, j'ai cru que j'avais toujours 14 de bleu, du coup, que je pouvais faire justement l'autre recherche, mais non. Non, bien sûr que non. Pour faire une bougie, c'est corde, cire, pas miel, c'est de la cire, et je ne sais plus quoi. Non, c'est pas là. Corde, cire et graisse. Non, c'est tout là-haut. Cire et graisse. Dans le doute, j'en prends 5, mais je crois que ça se fait 2 par 2. J'en prends 5 parce que je sais que c'est autant que les... que la cire d'abeille. Mais je crois que ça se fait que 2 par 2, du coup... 5, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, c'est ça. Cinq, six. Oh, ça augmente lentement quand même. Ouais. Bon, ça augmente vachement lentement le bleu malgré tout. Non, ça non plus. Ça par contre oui. Du coup. Le bleu augmente super lentement. Déjà, je voulais voir le... Non, faut que je construise un fourneau. Super. Ah, le pressoir, je l'avais mis au sous-sol. Stock de minerais de fer, ouais, je pourrais le faire. Je pourrais ramener les minerais ici, non décomposés, et du coup avoir un zombie ici qui travaille plutôt que là-bas, ce serait plus pratique en soi. Mais ça, pas pour tout de suite, quoi. J'ai pas envie de faire la réserve. Mais là, du coup, tu peux me faire de l'acier, c'est ça? Je me souviens plus, ça. Non, il faut du... Je sais plus si ça, ça donne du bleu. Ah, j'ai oublié de revenir. Je voulais voir l'acier, justement. Avec quoi c'était produit? Je crois que je m'étale un petit peu là et je m'embrouille. Cuisiner, non, dormir. Bref, dodo. C'est juste qu'on peut... Ah, on peut l'améliorer sur place. Ouh, ça c'est intéressant. Ça m'évite d'en fabriquer un autre et de le supprimer. Donc il me faut 6 de pierre et 2
Papier en pot de porc. Donc 6 de pierre et 2 papiers en pot de porc. La pierre, j'en ai là, j'en ai là-haut. Le papier de pot. Je vais couper de la pierre moi-même. Et 2 papiers en pot de porc. Je dois en avoir ici. Voilà. Vachement plus grand, plus beau. Les lingots d'acier. Un lingot de fer et du graphite. Évidemment, le graphite, j'en ai jamais vu. Donc, pour le moment, je peux pas en faire. J'ai combien de bleus? 8. Ça tombe bien, je pense au chanvre. En fait, c'est plus ou moins la base pour faire des... J'aurais pas dû le mettre ici. Plate-bande vide. Je vais y mettre là. Je vais faire un élevage intensif de champ. Ça s'appelle pas un élevage, ça s'appelle un champ. Mais c'est pas grave. C'est moi le streamer, je dis ce que je veux. J'ai oublié qu'il fallait... qu'il faille que j'aille si loin en bas pour le récupérer. C'est bon, ça reste au moins. Chanvre. Est-ce que ça, c'est de la betterave? Il me manque une graine de chanvre. J'ai du chanvre là sur moi, oui. Non, rien à poser ici. Et j'ai oublié de vendre les outils. J'ai oublié de vendre les outils. Et je vais le donner à notre cher serpent. Voilà. Comme ça on avance aussi un peu les quêtes. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il est pas là. Ah maintenant il est là que son jour. Très bien. De quémander les quelques points de bleu que je peux avoir là pour pouvoir level up. Voilà. Un fourneau 2, on peut faire maintenant un. Comment ça s'appelle?
une fiole conique. Maintenant, je peux passer par là. C'est pas grave si je me gourre. En parlant. J'ai pas posé le seau de sang ni les cordes. Et là, je peux poser ça, même si au final ça va peut-être me revenir dessus. Et je peux faire des fioles coniques. Du coup, je vais en faire 6, mais je n'ai pas de sous. Je vais dormir avec les zombies. Comme ça, je peux rediriger celui qui doit plus bosser sur quelque chose d'intéressant. Et dormir là-bas. Comme ça, je peux le rediriger avant de me coucher. Je peux lui dire de fabriquer les... Enfin, d'utiliser les nouveaux lingots de fer. Et après, je pourrais lui dire de... Oula! En fait, quand je... J'ai l'impression que je mange et quand je commence... Soit quand je clique trop vite, soit quand, au bout d'un certain nombre de trucs que je mange, si c'est toujours le même, tout d'un coup, je passe la moitié de mon énergie en... Ou alors je me suis gouré et j'ai pris une... Comment ça s'appelle ? Un peu de vin. C'est aussi possible. Ah ouais, je peux lui faire faire les pierres tombales directement. Du coup, qu'est-ce que moi je peux faire maintenant que je suis ici, que je suis full énergie, je vais récupérer le charbon. Je pense que ça, il n'y en a plus besoin ici. Si la pierre, la pierre, je peux en laisser. J'en ai autant besoin des deux côtés, je pense. Et je vais miner tout le charbon que je peux. Dormir. Et changer le zombie de place. Ou alors changer le zombie de place et dormir, suivant s'il a fini ou pas. Au moment où je vais le voir. Dans tous les cas, j'ai besoin de charbon. Même s'ils en ont récupéré pas mal déjà au sous-sol. Ça fait pas de mal d'en miner un peu plus vite à la main. Quoique c'est un peu long, mais j'ai pas envie de me trimballer avec des rondins de bois à l'épaule, c'est un peu embêtant. Il reste pas beaucoup, c'est pas grave. Là où il a pris au moins un charbon plus. Et lui, il n'a pas fini. Il a même à peine commencé. On peut dormir. Voilà, en fait, il devrait pas... Regardez le lit, mais regardez juste de l'autre côté quand il se réveille. Je reprends bien ça. Par contre, toi, au final, c'est cool, mais c'est pas non plus indispensable tout de suite. Ne me sert pas à grand chose. Je vais passer de l'autre côté, je pourrais récupérer un peu de miel.
et qui sait peut-être devenir apiculteur dans cette VOD spécialisée dans l'alchimie. Ce serait sympa, on va dire. Je sais pas. À vous de juger. C'est tellement bien fait le brouillard. J'avais vu un tweet qui montrait comment ils avaient fait. Ouh, je me suis pris des dégâts. Qui avait montré comment ils faisaient le brouillard. En fait, il y a plusieurs couches. Il y a le premier plan, et puis après, il y a certains bâtiments pour qu'ils dépassent quand même un peu du brouillard. Bah, il y a une deuxième couche de brouillard, etc. C'est impressionnant en tout cas. Penser et faire tout ça, c'est pas immédiat. Et oui, donc ici, je peux pas péter le caillou juste ici, parce que sinon, ça inonderait ou ça marécagerait tout jusque chez moi. D'accord, j'ai pas encore pris de veille. Ça se trouve sur l'une de ces deux ruches, je vais en avoir une. Un miel, le deuxième est là. Et juste de la cire d'abeille. La cire d'abeille, ça veut dire que j'aurai deux cires d'abeille chez moi, ça veut dire que je peux. J'ai deux cires d'abeille chez moi, ça veut dire que je peux faire une fournée de bougies en plus. C'est pas forcément indispensable, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux poser ce que j'ai sur moi. J'avais quand même 273 de charbon entre ce qu'ils ont produit et ce que moi j'ai récolté. Non. C'est pas urgent de faire le. Enfin. D'un côté, je trouve que c'est pas urgent de faire le. Les bougies. Mais le bleu, c'est quand même un peu plus urgent. Oui. Du coup, j'ai ramené le charbon pour. Déjà en mettre ici. C'est marrant comment la police réagit. Ah, tiens, on a dit qu'il fallait que je rentre dans cette taille, du coup je rétrécis. Allez, on va mettre 100. Et ici, j'ai pas autant, mais. Pourquoi j'en ai 7 de verre? On va voir ce que ça fait. Est-ce que ça fait du bleu aussi ou pas? Et moi je vais au sous-sol. Je sais plus combien de proportions. Au pire. De cordes en chambre il faut que j'ai. Ah oui, il faut que je rende les outils. Il faut que je regarde serpent qui est juste là. Chaque fois que j'oublie des trucs. À chaque fois j'en ai de plus en plus. Je suis à 3 de bleu. C'est énorme! À vous de voir. Je pose ça. C'est pas ça le saut de sang, c'est celui-ci. Alors, tu es bien ici, serpent, cette fois. Non? Si. J'ai eu peur. Lui donner le saut de sang. Il va rien me faire avec 10. Rien m'aider, je veux dire. Oh, du sang de païen. Ça devrait marcher.
Pardon, je ne vous aime pas, mais votre aide sera prise en compte. C'est bien parce qu'une fois que je lui aurai donné les clous de sang... Ah si, j'étais déjà à 10, du coup ça, j'atteindrai 30. Je pourrais avoir le tampon royal gratuitement. Ce qui va m'aider parce qu'il était cher. Du coup maintenant c'est la recette des clous ensanglantés qui est intéressante. Bref. Ah et les outils de restauration c'est bien ceux-là. Donc c'est pas pour tout de suite que je vais pouvoir aider, enfin avancer la quête de l'astrologue. Ah oui, il y a 30, je pourrais aussi parler de ça. Et du coup, sûrement débloquer Madame Charme. Ben, j'ai envie d'aller en ville vendre mes outils. Non, je vais repasser, ça sera la nuit. C'est pas grave. Je pense que les outils le plus intéressé, ça sera notre cher ami. Notre cher ami Kreswold, évidemment. Je m'en souvenais pas. On se demande pourquoi. Ah oui, je peux lui acheter directement des lingots de fer. Pierre aiguisée, j'étais en train de me dire, ouais, ça peut être sympa d'avoir une pierre aiguisée d'avance, mais... pas donné. Voilà. C'est un peu dommage de lui donner une pioche rouillée, mais en bonne santé. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut nous donner là? Des engrenages, une pelle de haut niveau. Marteau de haut niveau. Oh, le chaudron, il est là. Il est là, le chaudron, non? Quoique, vu que j'ai donné à l'autre, elle me demande plus son chaudron, elle l'a retrouvé. En fait, c'était sûrement deux possibilités d'augmenter la quête. Soit lui donner une potion de soin que j'avais conservée ou que j'aurais dû reconstruire. Là, je meurs toujours si je passe pas. Ok, je vais pas le passer sur moi, c'est pas utile. Ah oh non, je vais être bloqué, je suis passé par un mauvais endroit, c'est ça. Moi qui me dit vite, vite, faut que j'aille voir le. Faut que j'aille voir le fermier, et puis. En ne voulant aller trop en diagonale, je. Passe là où je ne peux pas l'atteindre, tout simplement. Tout ça pour acheter quelques oignons, quelques graines d'oignons, même pas de la meilleure qualité. Il me faut des hamburgers dorés en plus, on se rappelle. Donc pour avoir les hamburgers dorés, je pense que ça... Ouais, pour améliorer la performance, il va falloir avoir les engrais améliorés, je pense. Qui coûtent du bleu de mémoire. Voilà, tout tourne autour du bleu en fait. Il y a eu un petit moment où il fallait quand même de la foi et l'utiliser au bon endroit. Au début, mais maintenant... tout tourne autour du bleu. Quelques carottes.
8, c'est plus que ce que je ne voulais. Donc c'est pas mal. Ah non, je peux pas en mettre, ok. Ouais, je peux pas en mettre. Non, je peux pas non plus. On va les planter tout de suite. À faire des fioles. Ok, donc j'ai trouvé une utilité à faire du verre, une vraie utilité. C'est, je suis à combien du coup? C'est que du coup, en faisant du verre, puis surtout les fioles, j'ai du bleu sans avoir à travailler, comme j'ai du rouge sans avoir à travailler. J'ai du verre en laissant les plantes pousser. Alors, tac. Oh, 4 graines de vigne, ça veut dire que je peux... non, ça je garde sur moi. 4 graines de vigne, ça veut dire que je peux en remettre une couche. Voilà. Presque faire un autre fourneau pour faire avancer plus vite entre le fer et le verre avancer ou juste faire plus de verre du coup, mais ça va aller. Alors un truc que je me demande, donc mettre les carottes, c'est bien sûr moi le verre, oui, parce que j'en ai un peu là. Juste du verre plat. Si, on passe par dehors pour mettre les carottes. Ah, moi qui. Ouais, il en faut 10 dans le coup, je le savais. J'y ai pensé juste à ce moment-là. Donc, je disais, je mets les carottes et je perds la mémoire. Je l'avais en tête. Mettre les carottes. Et après, je fais pas le zombie. Si, je voulais voir les... Voilà. Je voulais voir... combien de... Ah mais non, mais on s'en fiche, c'est le améliorer qu'il faut. Combien de verres il faut pour faire la table d'étude, du coup? Sauf que la table d'étude, c'est celle qui est là-haut. Oui. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on a vu... donc si ça se trouve, ça fera un zombie de merde, hein. À la limite, si c'est pour faire des allers-retours par exemple, il peut être lent, j'ai pas de soucis avec ça. On a vu qu'il fallait 10 de foie et un jus de zombie. Je peux aussi poser ça. Oui, j'ai pas assez ni l'un ni l'autre, ni d'une qualité ni de l'autre.
D'un côté, j'ai un peu peur que le zombie, du coup, il soit vraiment nul, vu qu'il a 4 crânes rouges et c'est tout, quoi. Et j'ai vachement attendu. De l'autre, au moins... Ah non, le corps est pourri. D'accord, oui, résolution. Ok, c'est vraiment impossible. On va prendre le corps. Bon, bah, quand il est pourri, en fait. Il n'y a peut-être pas de degré de résolution. D'amélioration. Je peux faire de la cuisson, de la céramique, mais je sais pas quoi. Les cruches et les pichets peuvent me servir. Pareil, là, la pâte à polir, je sais toujours pas trop. Métaux précieux. Ah, le graphite, il est là. Fabriqué à fourneau, d'accord. Et ça, ça me sert juste à avoir de l'acier qui me sert pour le moment à pas grand chose. Donc c'est pas pressé. Donc, petit point sur les améliorations. Je peux faire le stockage d'alchimie. Ça coûte 10 de force rouge. Donc autant dire rien du tout. Alors c'est pas ici, je suppose. Non. Tant que j'étais à côté, je préférais vérifier. Du coup, le corps, oui, dans les technologies, je vais regarder pour le. Pour l'incinérer. Râtelier d'alchimie. Ok. C'est honnête, c'est comme l'étagère à parchemin. J'ai l'impression que ça va servir à rien, mais la construction est faisable. Alors, assez rapidement, dans un navire proche. Alors l'embaumement, de toute façon c'est ça d'abord. Ah, ça doit améliorer la qualité des corps. Alors prière de repos requis pour garantir le succès des cérémonies. Donc il faut 20-50. Tous les défunts sont les bienvenus dans notre cimetière. Effet. Foi via le serment de plus de 10%. Requis pour garantir le succès de la cérémonie. Tous les défunts sont les bienvenus dans le cimetière. Je comprends pas trop ce que ça fait en fait de changer d'effet. Enfin, je vois bien par exemple là on a plus entre plus 25 et moins 75. D'argent de la quête, ou alors de 25 à 75% donc en plus, donc ok, la fois donc plus 10%, oui si c'est ça en fait, mais le gros pavé en dessous ça sert juste à rien, de dire que les défunts sont bienvenus dans le cimetière, ou là c'était que la fertilisation c'est cool, là par exemple c'est plus 25% de fois du sermon et plus 25% du cimetière. Du coup, ce serait pas mal que je le fasse celui-là. C'était où ? Prière pour les cultures. Mais bien sûr, il faut des chapitres. Chapitres qu'on crée grâce à des notes. Qu'on crée voilà, grâce à des histoires, du papier. Propre et de style ombre. Donc c'est quand même beaucoup d'étapes et j'ai pas envie de me disperser là-dessus maintenant. Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Voilà. Zombie jardinier. Bon bref, je voulais regarder les technologies. Donc on a le stockage d'alchimie qu'on pourra faire. Là, il n'y a rien d'autre d'accessible pour le moment. Ok. Théologie, tout ça c'est fait, là il faut 20, donc non, tout ça, ça requiert, regardez, 250 de bleu, je vais pas le faire à deux par deux en faisant des cordes puis des bougies ou en faisant du verre complexe, c'est pas possible. Invention d'histoire, donc ça c'est pour générer moi-même mes histoires, ah oui, et puis générateur, ok, le zombie qui le crée tout seul, au lieu de donner du vin au... à Wagner, je suppose. Là, pareil. Si je... Non, je peux faire ça, mais je peux pas le déverrouiller parce que la recette d'avant n'est pas déverrouillée. La production de papier, ça pourrait être intéressant.
Peut-être que le papier aussi produit, je sais plus. Donc là, le zombie jardinier est très intéressant. Sinon, le brassage de la bière qui est utile du coup, mais pas pour tout de suite. Ou attendre 20 pour avoir les graines, les engrais. Ça, c'est. Les trois sont très bien en fait. Mais le vert complexe, ça me permettrait de peut-être débloquer le bon truc pour améliorer le marchand. Mais je pense que là, ça commence à être loin. Les outils sont bloqués, sinon je les ferai directement. Là, on débloque l'enclume 2 et bim, on fait tous les outils en amélioration directe. La cuisson des céramiques en bas, je sais pas trop quoi en faire. Les zombies dans les carrières, je ne peux pas encore, c'est bloqué par ça. Donc c'est bien bloqué. Mais ça, il n'y a rien. Donc je pense. Donc il y a. De ce que j'ai vu. Ah, la crémation, elle est là. Ouh, heureusement que j'ai revérifié. Bon, je vais faire ça. J'allais faire le zombie récolteur de. Le zombie fermier. Mais je vais d'abord faire ça quand même. Voilà, l'urne funéraire. Peut-être que ça peut être utile. Fabriquer dans la cuisine. Je pense que pour faire des urnes funéraires, il va me falloir. C'est où ? Les cuissons de la céramique. Quoique, il y a le colombarium de pierre. Bon, je débloque ça. Donc, le lieu de crémation et le colombarium de pierre. Est-ce que colombarium de pierre. Non. Lieu de crémation. Je pourrais même passer par là-bas. Ici, mais là. Ouais, non, c'est pas ici. Lieu de crémation. 8. 8 troncs dans le bois, d'accord. Et je peux faire une malle pour stocker les rondins de bois. Oui, mais non. Pas pour le moment. Oui, je cramais ce cadavre parce qu'il a trop de. Il a que du rouge en fait. Du coup, il ne peut que m'apporter du négatif au cimetière. Et si je booste énormément, il m'apportera du neutre uniquement. Pas très très utile, pas très très intéressant. J'avais pas masse de. Ah si, mais je viens de tout l'utiliser. Très bien. Je suis en train de me demander si je devenais fou. Oui, là, je veux récupérer 8 billes de bois, voire plus. J'en ai 5, c'est ça. 5, 6, 7, 8, parfait. Je pourrais en cramer encore. Ça suffit. Pour le moment. Que j'avais déjà vu quelqu'un jouer et puis on peut faire plusieurs stocks d'un coup, plusieurs crémations d'un coup, donc pas besoin d'en stocker trop pour le moment, je pense. Par le corps quand même. Je crois que de toute façon il y a
là ne me livrera pas si j'ai pas fait mon autopsie. Donc là, récupérer le sang et la graisse, ça devient très utile. Mais... Oh, deux erreurs chirurgicales. C'est pas cool, ça. Il aurait pu être très très bien, ce corps. Mais bon... Non? Ah si, du coup, je peux peut-être le... J'allais le cramer. Je peux peut-être le ressusciter. Oh! Prendre le corps. On reprendra le zombie juste après. On va d'abord faire notre crémation. Très bien. Voilà, donc on peut en faire 4. Et voilà, notre première crémation. Est-ce que ça crame longtemps ou... Ah. Hop, la lumière s'allume, elle s'éteint. En haut à droite. Marrant. Non, ça dure pas très longtemps. Et on a du sel! Du sel! Un certificat d'inhumation. Donc en fait, c'est pas plus mauvais que ça que de les cramer. Et des cendres, ça, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Mais on a eu du sel. Du coup, faut trouver comment on fait une potion de santé. Une solution de santé. Un truc comme ça. Ouais. Du coup, je m'amusais avec la lumière ici. C'est marrant de voir que dès qu'elle disparaît de la... En tout cas, quand, en haut, ça va peut-être faire... Voilà. Elles sont enlevées de la mémoire du jeu un peu trop vite par rapport à l'effet qu'elles ont sur le jeu. C'est marrant. Mais elles sont pas enlevées dès qu'elles sortent de l'écran. Il y a un petit espace, mais c'est pas assez... C'est pas assez. 3. Je suis à 3. Plutôt de la bonne qualité, hein. C'est ce qui est le plus important. Ah, j'ai oublié de pousser ma graine de rade. Tout ça pour aller me coucher juste après. Alors, graine de citrouille. Les déchets, bien sûr. Le certificat, on le garde sur soi. Ça, faudra le poser au sous-sol. Ça aussi. Et ces deux-là aussi. Et tout ça dans mon inventaire. Tac, tac. D'ailleurs, j'ai combien de crânes? J'en ai 7. C'est pas mal, ça, 7. J'avais pas de la cire. Ah, j'ai un doute là. J'ai peut-être posé à un endroit où il fallait pas. Ou alors je l'ai directement mise au sous-sol. J'étais pas tout content d'avoir un de cire et de pouvoir faire de... Ou alors je l'ai déjà faite. La mémoire me joue déjà des tours. Je suis déjà si vieux.
ou il est juste un peu trop tard pour moi. Je vais prendre les... Pas les 66. Je vais juste libérer un slot pour mettre le chanvre. Il va me falloir une autre malle au sous-sol en fait. Il va me falloir une autre malle. Ça m'embête un peu cette histoire de cire, mais c'est pas si grave. Si juste avant d'arrêter, je voulais voir si j'ai assez de crâne pour améliorer le look du donjon. De mémoire, il fallait des crânes. Il y avait deux sortes de crânes, mais il fallait des crânes. Voilà, crâne dans le mur et crâne dans une colonne. Crâne dans une colonne, ça ressemble à ça. C'est joli. Enfin, ça fait crypte, voilà. Et crâne dans le mur. D'accord, c'est juste à l'entrée. Pour le moment, en tout cas. Si on va commencer par le mur, comme ça, c'est... J'ai une qualité de 1. Super. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ou alors j'ai totalement zappé. Non, le crâne, on le remet là-haut. On va mettre le sel et les cendres là-haut, du coup, je pense. Je peux bien monter ça, mais si oui. Voilà. Je monte le papier plutôt. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si j'ai loupé des choses, si vous pensez que faire telle ou telle chose, ce serait mieux. S'il vous plaît, évitez de spoil ou de backseat un peu trop fort si vous avez trop des idées trop avancées par rapport à là où j'en suis, si vous avez vu. Mais si c'est des idées que je pourrais avoir à ce moment-là, c'est très bien, continuez. Et je pourrais vous citer dans la prochaine vidéo si je mets à profit votre idée. Sur ce, je vous dis à bientôt.